Bonjour, je m'appelle Marc, je suis stagiaire au Club Alpin de Strasbourg et je vais vous montrer comment on évolue avec des crampons. Quand on a des crampons, on ne marche pas comme avec des chaussures de ville, c'est-à-dire qu'on ne marche pas en canard et on ne marche pas avec les chaussures resserrées. On marche les pieds droits et les pieds écartés pour ne pas se prendre les crampons dans les lacets, dans les chaussures ou dans le crampon de l'autre pied. Nous allons voir comment faire une traversée, c'est-à-dire marcher dans le sens de la pente, le pied dans le haut de la pente, avec le plus de crampons possible, l'autre pied perpendiculaire à la pente pour avoir le plus d'accroche possible, tout en gardant toujours le piolet en amont, c'est-à-dire du côté de la pente. Et à présent, nous allons voir la descente, toujours à l'aide du piolet, qui servira littéralement de troisième jambe, donc dans le sens de la descente, le genou fléchit, on pointe le piolet. Quand les jambes bougent, le piolet ne bouge pas. Toujours le piolet dans le sens de la pente en amont et le plus de crampons possible en contact avec la glace. On reste souple sur les chevilles, dans le sens de la pente.